Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française de TV Plus Madagascar. Comme à notre habitude, avant d'entrer dans les détails de nos informations pour ce soir, je vais d'abord vous présenter les titres. Après le district de Marwai, le président de la République, Andjazuel, s'est rendu dans le district d'Ambatwenj, dans la région de Bouin, dans la matinée, pour venir en aide aux foyers victimes du passage du cyclone Chenizo. Il annonce l'octroi avant la fin du mois d'une aide sociale à hauteur de 120 000 ariages à 2 570 foyers. Au fil des années, la France et Madagascar ont bâti des relations solides. La coopération entre les sénateurs des deux pays en est un parfait exemple, a déclaré le président du Sénat de Madagascar. La visite au Sénat d'une sénatrice française et de l'ambassadeur de France à Madagascar démontre la bonne qualité des relations franco-malagasques. La date du 11 février 1975 est une journée sombre inscrite dans l'histoire de Madagascar, car c'était un chef d'État qui a été assassiné, a déclaré le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le général Serge Chélé. Il ne m'appartient pas de juger, mais mon rôle est de veiller à ce que personne n'oublie et que l'histoire ne sera pas falsifiée, a-t-il déclaré au cours de la cérémonie commémorative de l'assassinat du général Ratzimandjav Richard en Bouzatouv en Bouni. À l'étranger, l'aide internationale pourra être acheminée dans l'ensemble des zones sinistrées de Turquie et de Syrie après l'accord donné vendredi par le gouvernement syrien à la fourniture d'aide aux zones rebelles. Dans la région, les séismes ont tué au moins 24 150 personnes. Domaine social pour commencer ce journal. Après le district de Marwai, le président de la République, Andjazuel, s'est rendu dans le district d'Ambatpouenj, dans la région de Bouenj, dans la matinée, pour venir en aide aux foyers victimes du passage du cyclone Chenizo. Il annonce l'octroi avant la fin du mois d'une aide sociale à hauteur de 120 000 ariages à 2 570 foyers. Pour sauver les cultures de la population, le chef de l'État promet une distribution de semences aux agriculteurs dont les rizières et les champs ont été inondés. Dans l'après-midi, il rencontrera la population de Mahadzanga. Les détails avec Tiavana Douni. Le président Andjazuel n'a été accueilli par une foule en liesse dans le district d'Ambatpouenj ce matin. Cette localité a enregistré de lourdes pertes agricoles après le passage du cyclone Chenizo. Les cultures sont submergées par les eaux, racontent à l'unanimité les habitants. Les routes déjà défoncées sont devenues boueuses. Le district est complètement isolé. La population d'Ambatpouenj occupe une place particulière dans mon cœur et c'est dans ces moments difficiles que les aînés doivent assumer leurs responsabilités en venant à l'aide de leurs cadets les plus démunis, a déclaré le président Andjazuel. Ce dernier s'est donc personnellement rendu sur place pour apporter des semences, des vivres, des produits de première nécessité et une assistance médicale à la population d'Ambatpouenj. Comme dans le district de Marwai, les agriculteurs qui ont vu leur culture détruite par Chenizo bénéficieront de semences gratuites de l'État. Le président de la République promet également une aide financière post-intempérie aux ménages vulnérables. En effet, Andjazuel n'avait réussi à négocier auprès de nos partenaires techniques et financiers la distribution du filet social de 120 000 ariages à 2 570 foyers d'Ambatpouenj. Les responsables de la distribution viendront sur place le 27 février 2023, a-t-il rassuré. Le numéro 1 du pays s'est montré sans pitié envers l'entreprise responsable de la réhabilitation de la route d'Ambatpouenj. En effet, dès les premiers jours du passage du cyclone, la route
dont la réhabilitation avait été entamée récemment, avait déjà subi d'importants dégâts. Les responsables de l'entreprise qui devait assurer la réhabilitation de la route avaient exigé les 20% du fonds de réhabilitation et avaient pris la fuite par la suite, laissant les travaux en suspens. Le président Radziwill a ordonné la poursuite en justice de cette entreprise ce jour. Le président prévoit de nombreux projets de développement pour Rambat Point, parmi eux, un projet de lutte contre l'insécurité. Il a donné le feu vert pour le déploiement des militaires sur les lieux pour rétablir l'ordre. Il a également contacté le ministre de l'Énergie pour une expédition de carburant pour la Dirama d'Ambat Point pour résoudre le problème des coupures d'électricité durable. Il s'envolera pour Mahajang cet après-midi où une marée humaine l'attend déjà. Page politique pour continuer. Au fil des années, la France et Madagascar ont bâti des relations solides. La coopération entre les sénateurs des deux pays en est un parfait exemple, a déclaré le président du Sénat de Madagascar. La visite au Sénat d'une sénatrice française et de l'ambassadeur de France à Madagascar démontre la bonne qualité des relations franco-malagasy. Le renforcement de la coopération afin que les deux pays puissent retirer des bénéfices mutuels a été l'un des sujets abordés lors des discussions. Reportage de Gracien Angetstuirna. Afin de renforcer et de promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre la France et Madagascar, notamment entre le Sénat malgache et le Sénat français, la sénatrice Samantha Cazebonne est venue rendre une visite de courtoisie au président du Sénat en compagnie de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guidois, le président du Sénat, Herman Narazaf Maïf, et le questeur Eddy Serge Fernand les ont accueillis à cette occasion. La coopération dans les volets de l'éducation, de la culture et de l'environnement a été discutée lors de la réunion, dont l'objectif est une association fructueuse pour les deux parties dans ces domaines. La coopération ne se limitera pas à ces trois secteurs, mais sera élargie à d'autres, comme le projet de développement durable, a précisé Samantha Cazebonne, qui est membre, entre autres, de la commission chargée de la culture, de l'éducation et de la communication au Sénat français. Le président du Sénat de Madagascar a tenu à présenter ses remerciements à cette délégation car leur visite était le reflet d'une bonne entente et augure de multiples projets en commun. Les réformes environnementales à travers l'assainissement de nos grandes villes font partie des projets de coopération entre les deux pays, a-t-il dit. La date du 11 février 1975 est une journée sombre inscrite dans l'histoire de Madagascar car c'était un chef d'État qui a été assassiné, a déclaré le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le général Serge Gélé. Il ne m'appartient pas de juger, mais mon rôle est de veiller à ce que personne n'oublie et que l'histoire ne sera pas falsifiée, a-t-il déclaré au cours de la cérémonie commémorative de l'assassinat du général Simanjava Richard Ambuzatuvu Ambundi, tous les membres des forces de l'ordre ayant perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions pendant l'année 2021 et 2022 ont été aussi commémorés pendant la cérémonie de ce matin. Zakanje Mayer et Omegara Naivzon nous donnent les détails. Une cérémonie officielle commémorative en l'honneur du général Ratsimanjav s'est tenue à Ambuzatuvu Ambundi ce matin. Tous les différents corps des forces de l'ordre et de l'armée malgache ont été représentés lors de la cérémonie de ce matin. La journée d'aujourd'hui est une occasion pour tous les malgaches, sans exception, de participer au changement, y compris les éléments des forces de l'ordre, dont les différents corps doivent faire preuve de cohésion, a déclaré le secrétaire général de la sécurité publique, le contrôleur général Rakoutenjavel Raymond. La cérémonie d'aujourd'hui est très importante car elle permet de susciter l'espoir auprès du peuple malgache, a déclaré le secrétaire général auprès du ministère des Forces armées, le général Ranaevtsen Antoine de Padoue. C'est une occasion de rectifier le passé et de redéfinir l'avenir, a-t-il précisé. Il a aussi déclaré que la stratégie de protection de la population et de ses biens est déjà fonctionnelle actuellement. Il a aussi lancé un appel aux différents corps des forces de l'ordre, dont la gendarmerie nationale, la police nationale et l'armée malgache, pour que ceux-ci renforcent leur cohésion
afin d'assurer au maximum l'efficacité de leurs actions. Et même si de nombreux éléments sont tombés au cours de leur mission, le général Ranaïfzine Antoine de Padoue de réitérer que les forces de l'ordre ne reculeront jamais dans l'accomplissement de leur mission. Le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le général Serge Gelé, de son côté, a souligné l'importance historique de la commémoration d'aujourd'hui. Selon ses déclarations, le 11 février est une date que les futures générations ne doivent pas oublier, étant donné que c'est un chef d'État malgache qui avait été assassiné ce jour-là, à quelques jours seulement de sa prise de fonction. Il ne m'appartient pas de juger, mais mon rôle est de faire tout mon possible pour que personne n'oublie et que l'histoire ne soit pas falsifiée, a-t-il déclaré. La cérémonie officielle de commémoration de l'assassinat du général Ratzimanjav de ce matin fut aussi l'occasion de rendre hommage aux membres des forces de l'ordre ayant perdu leur vie dans leur mission de protection de la population malgache. Pour l'occasion, l'État malgache a tenu à réconforter leurs familles. Continuons ce journal dans le domaine de l'économie. La contribution des entreprises aux recettes fiscales pour l'année 2022 a été meilleure par rapport à celle pour l'année 2021, selon le directeur général des impôts. Le service des impôts ne s'attendait pas à de tels résultats en raison de la récession économique causée par de nombreux problèmes subis par le pays. L'objectif que s'est fixé le service des impôts est l'atteinte d'un taux d'imposition de 15% d'ici jusqu'à l'année 2025. Le directeur général des impôts a également tenu à préciser que le fait d'envoyer des notifications de redressement à certaines entreprises n'était pas de l'intimidation, mais que c'était une formalité administrative d'usage à laquelle il faut se soumettre. Les détails avec Fechan Djemananzar et Gracia Anjetsitouirna. Le service des impôts a enregistré plus de 3 680 milliards d'ariaries de recettes fiscales en raison de l'augmentation du taux de participation fiscale des entreprises en 2022, alors qu'elles étaient de 3 256 milliards ariaries en 2021. Le service des impôts ne s'attendait pas à un tel résultat, car l'économie de Madagascar a régressé à cause de nombreux problèmes, notamment à cause de l'épidémie de COVID-19 ou de l'inflation galopante. L'augmentation du taux de participation fiscale sous-tend un timide redressement de l'économie du pays, selon le directeur général des impôts. L'objectif du service des impôts est d'atteindre un taux d'imposition de 15% jusqu'à 2025, un but qui n'est pas si éloigné puisque celui de cette année est d'atteindre 12,7%. Le directeur général des impôts a également précisé que certaines entreprises ont reçu des notifications de redressement ou de demandes de clarification par le service des impôts, dont le délai de réponse expirera fin février 2023. Cette demande de clarification n'est pas destinée à intimider ou faire pression sur les sociétés, mais constitue une simple formalité administrative à laquelle il faut se soumettre. Si les déclarations des entreprises ne sont pas falsifiées, alors elles n'ont rien à craindre, dit le directeur général des impôts. Page santé. Beaucoup de familles, notamment Antananarivo, n'ont pas les moyens de s'offrir des soins médicaux adaptés à cause de la pauvreté. La plupart sont obligées de recourir à l'automédication, car même les consultations dispensées dans les grands hôpitaux sont payantes, sans parler du prix exorbitant des médicaments. Cette situation les affecte dans leurs activités au quotidien, raison pour laquelle la commune urbaine d'Antananarivo a élaboré un programme d'action sociale prévoyant des consultations et des soins médicaux gratuits pour la population d'Antananarivo. Reportage sur le récit d'Elisa Herman et les images d'Eric Ranefson. Consultations et soins médicaux gratuits en faveur de la population d'Antananarivo ont déjà été initiés depuis l'année 2020 pour aider les citoyens les plus démunis. Les 6 arrondissements d'Antananarivo bénéficient de cette action sociale 2 fois par mois d'après les sources. L'équipe médicale de la commune urbaine d'Antananarivo et de passage dans le Fouktan d'Anzanar, dans le 3e arrondissement d'Antananarivo cette semaine, depuis mardi dernier. La plupart des habitants de ce Fouktan n'ont pas la possibilité d'aller voir un médecin, même en cas de maladie grave, toujours à cause de leur faible revenu insuffisant pour payer les frais médicaux.
Cette action sociale est une opportunité pour les plus démunis de profiter d'un minimum de soins médicaux. D'après leur dire, 455 personnes ont déjà été consultées et ont bénéficié de soins médicaux divers depuis mardi dernier, affirme le responsable de ce programme social au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Les enfants sont les principales cibles de ce programme, surtout pour les consultations ophtalmologiques et ceux pour la grippe. Les adultes âgés de 18 à 70 ans forment le gros des patients qui se font tester pour la diabète ou encore le VIH-Sida, d'après les remarques d'un médecin membre de ce programme d'action sociale. Place maintenant aux actualités internationales. L'aide internationale pourra être acheminée dans l'ensemble des zones sinistrées de Turquie et de Syrie, après l'accord donné vendredi par le gouvernement syrien à la fourniture d'aide aux zones rebelles. Dans la région, les séismes ont tué au moins 24 150 personnes. France 24. Il y a encore quelques jours, Inan était opérateur d'engins de chantier pour creuser des tunnels. Mais sa vie a brutalement changé le 6 février. Ici, on a retiré 4 corps et on a sauvé 2 jeunes. Comme de nombreux Turcs, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils ont bien testé les fondations? Est-ce que tout était bien aux normes sismiques? Est-ce qu'il y a eu de la corruption? Des matériaux de moins bonne qualité qui ont été utilisés? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Les premières estimations d'entreprises privées indiquent qu'au moins 10% des immeubles encore debout dans la ville ont été rendus inhabitables. Ça fait 2 mois qu'il y a des secousses. En regardant les fissures qui apparaissaient dans le mur, j'ai dit à ma femme, il va y avoir un gros tremblement de terre. Et elle m'a dit de m'en remettre à Dieu. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Et depuis ce jour, Inan a peur pour lui et ses enfants. Et quand vient la nuit, il préfère dormir dans cette petite voiture. Je pense à mes enfants. Je veux tout faire pour éviter les traumatismes. Je fais tout pour que ce soit le plus possible, comme à la maison. Ce soir, comme hier, Inan laissera le moteur tourner 2 heures, laissera passer un petit filet d'air par la vitre électrique et s'endormira comme des millions de Turcs en priant pour que cette nuit, la terre ne tremble pas. Ainsi s'achève ce point d'information. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se revoit à 19h30 dans le journal en version malgache. Sur ce, à tout de suite. We'll be right back.